la jungle. C'est ici que je suis né. Et c'est ici que mes parents sont morts, alors que je n'étais qu'un enfant. Je serais mort très vite, moi aussi, si je n'avais pas été recueilli par une femelle singe nommée Kala. Elle m'éleva comme son propre enfant et m'enseigna les lois de la jungle. J'appris très vite et devins plus fort chaque jour. Et maintenant, j'ai l'amitié et la confiance de tous les animaux de la jungle. La jungle est pleine de beauté, de danger, de villes perdues où se cachent le bien et le mal. Ici est mon domaine, et je protège ceux qui y viennent, car je suis Tarzan, seigneur de la jungle. Nakima, tu n'es jamais fatigué. Je te fais mes excuses, mon ami. Qu'est-ce qu'un bateau viking vient faire dans notre jungle? Ne me dites pas que je rêve. Je viens de voir un homme sauter de branche en branche. Ou l'un de vous veut-il me défier au sabre pour me prouver que ma vue baisse? Nous chercherons tant que nous ne l'aurons pas trouvé. Va-t'en, Chita. Ils sont trop nombreux pour toi. Allez, va-t'en. Par la massue de Thor, je vous avais bien dit que c'était un homme et pas un gorille. Je suis Tarzan, seigneur de la jungle. Qui êtes-vous et d'où venez-vous? Je suis Thorvald, le viking. Et toi, tu viens avec moi. Saisissez-le! Attends, Thorvald. Je viendrai avec toi à une condition. Et quelle condition? Que tu laisses Nakima repartir en toute liberté. Le petit singe? Nous ne réduisons pas encore les singes à l'esclavage. Laissez-le partir. Va-t'en vite, Nakima. Raconte ce qui s'est passé à nos amis. Je suis prêt, Thorvald. Non, c'est inutile, Karina. Ton père ne nous laissera jamais nous marier. Je vais lui en reparler, Bjorn. Il va peut-être changer d'avis. Jamais. Il pense que je suis un lâche. De toute façon, je n'épouserai pas Thorvald. Ton père est le chef du village. Tu es bien obligé de lui obéir. S'il veut me forcer à épouser Thorvald, je m'enfuirai. Et maintenant, Tarzan, tu vas commencer une nouvelle vie. Comme esclave. Jamais, Viking. Je ne serai jamais un esclave. Ah, tu crois ça? Après ce tournant de la rivière, se trouve notre village de Vottenheim, où je me ferai un plaisir de t'apprendre à être esclave. Sonnez du cor! Karina, ma petite colombe, je suis ton père et je sais ce qui est le mieux pour toi. Bjorn est mieux pour moi. Bjorn n'est pas un viking, ce sera un homme de loi, comme son père. Qu'y a-t-il de mal à cela? Notre peuple a besoin de grands esprits. Tu connais la loi. Si tu refuses de te plier au bon vouloir de ton père, tu seras banni du village. Thorvald est de retour. Suis-moi, Karina. Bienvenue chez toi, Viking. Je suis heureux d'être de retour, Eric. Karina. Bonjour, Thorvald.